Salut à vous les agris, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve dans la Beauce. Pourquoi dans la Beauce? Parce que à partir de demain donc se tient InnovAgri, un des plus gros salons de machinisme agricole en extérieur. Donc j'y serai demain matin et mercredi après-midi, et en fait je vais profiter ici du secteur pour vous faire découvrir un peu, pour faire un petit tour de plaine, voir un peu ce qui se passe. Je sais qu'il y a des récoltes en cours, je sais qu'il y a des épandages également. Au programme pour cette vidéo, donc on a de la récolte d'oignons avec l'entreprise JMA, mais également de l'épandage avec un joli chantier avec un Varvaret. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, un bon vlog, et on se retrouve tout à l'heure pour InnovAgri. Allez, c'est parti! Je me trouve sur la première parcelle, donc c'est le début de la récolte ici des oignons. Donc là on est juste sur la partie de soulevage des oignons, c'est à dire qu'en fait la machine que vous allez voir, que je vais vous montrer, est en train juste de soulever les oignons pour faire des andins qui vont rester asséchés quelques jours avant d'être ramassés pour aller être mis en bâtiment. Et c'est parti pour ce premier chantier, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue en Beauce. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant sur la partie récolte. Donc c'est-à-dire en fait c'est une machine à pommes de terre, vous allez voir, c'est exactement le même principe. En fait, on va ramasser les andins, ça va charger dans une benne. Et ensuite on ira au site pour que je vous explique un petit peu comment ça marche pour le stockage. Donc bah écoutez, on reprend la voiture et c'est parti.
Donc ça y est, me voici rendu sur le chantier suivant avec, comme je vous l'avais expliqué, l'épandeur Vervette de l'entreprise La Provol. On a le petit télescope Kramer qui est prêt à charger. C'est le dernier chantier et après cet après-midi, direction InnovAgri pour vous présenter. Donc je vous laisse les images de ce chantier et après on se retrouve directement sur le salon. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Bon ça y est, me voici rendu du coup sur le salon, sur InnovAgri, donc près d'Orléans. Je vais essayer de vous faire visiter très rapidement. Il y a des stands qui sont vraiment impressionnants, notamment celui de John Deere qui a une surface vraiment immense. Bon, je vais essayer de faire le tour avec vous, de vous montrer un peu tout ça et on se retrouve à la fin de cette vidéo. C'était un tour très rapide du coup du salon InnovAgri. Donc j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images. J'espère que déjà les images que vous avez vues vous plairont. Donc n'hésitez pas l'année prochaine du coup c'est du côté de Toulouse si jamais vous n'y êtes jamais allé. Ça change en fait tous les deux ans, un coup vers Orléans, un coup vers Toulouse. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like et à partager cette vidéo. En attendant moi je vous dis à une prochaine et surtout n'oubliez pas, souscrivez à Un Paysan. Allez ciao.